Frédéric Beck -Bédé, nouvelle sous extasie Dans les années 1980, une nouvelle drogue fit son apparition dans les milieux noctambules, le MDMA, d'extasie. Cette pilule de l'amour provoquait d'étranges effets bouffée de chaleur, envie de danser toute la nuit sur de la techno, besoin de caresser des gens, grincement de dents, déshydratation accélérée, angoisse existentielle, tentative de suicide, demande en mariage. C'était une drogue dure avec une montée indécente, comme dans les montagnes russes ou les nouvelles de certains écrivains américains. L'auteur de ce livre n'en consomme plus et déconseille au lecteur d'essayer. Non seulement l'extasie est illégale, mais en plus il abîme le cerveau, comme le prouve ce recueil de textes écrits sous son influence. Et puis, avons-nous besoin d'une pilule pour raconter notre vie à des inconnus, alors qu'il y a la littérature pour ça Spline à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle. Tagobé Tagobé Tagobé, 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 Tagobé Qui êtes-vous Pourquoi on se parle à 2 cm du visage Est-il exact que vous avez lu mon dernier livre Pouvez-vous me garantir que je ne rêve pas Est-il possible d'avoir une aussi jolie bouche de couleur rouge Est-il raisonnable d'être aussi mignonne, d'avoir 21 ans et un t-shirt taille XXXS Réalisez-vous le risque que vous prenez en me faisant des compliments avec des yeux aussi bleus Pourquoi je moitise ma main dans la vôtre Pourquoi vos genoux me donnent-ils envie d'inventer des verbes transitifs Et d'abord, quelle heure est-il Comment vous appelles-tu Est-ce que tu voulais m'épouser Pourrais-tu me dire où nous sommes en ce moment C'est quoi ce caren sac que tu as mis sur nos langues Pourquoi ces rayons lasers cisaillent-ils une nappe d'air liquide pour qui sont ces magnums de champagne qui sifflent sur nos têtes? Au bout de combien de temps on regrette d'être venu au monde? Tu sais que t'as de beaux yeux, tu sais. Pourquoi pleurez-vous? Quand est-ce que tu m'embrasses? Voulez-vous une autre vodka? Quand est-ce qu'on se réembrasse? Pourquoi ne dansez-vous plus? Qui sont tous ces gens? Des amis ou mes ennemis? Tu veux enlever ton pull, s'il vous plaît? Tu veux combien d'enfants? Quels sont vos prénoms favoris? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on sortait prendre l'air, on est déjà dehors. On enfin, va chez toi ou chez moi Si j'appelais un taxi, tu préfères marcher Pourquoi remonter l'avenue des Champs-Élysées Est-il sérieux d'enlever ses mocassins pour marcher sur du goudron Peut-on faire chauffer une cuillère sur la tombe du soldat inconnu Tu as un petit ami Pourquoi je pense la même chose que toi Tu connais beaucoup de gens qui prononcent les mêmes mots au même moment Que fait ce flic à nous regarder fixement pourquoi toutes ces voitures tournent-elles autour de l'Arc de Triomphe Pourquoi ne rentrent-ils pas chez eux Et nous, pourquoi ne rentrons-nous pas chez nous Combien de temps allons-nous rester là, assis sur le parvis de l'Étoile, à nous rouler des pelles par deux degrés centigrades au lieu de faire l'amour dans un lit comme tout le monde Tu crois qu'on a bien fait de voler son képi Tu es sûr que les policiers courent moins vite que nous Elle a toi cette moto Tu es certaine de pouvoir conduire dans cet état Tu veux pas ralentir pourquoi prendre le périph'? Est-il malin de se pencher comme ça dans des virages à 180 à l'heure? Est-il légal de salomé entre les camions à 6 heures du matin? Demain fera-t-il jour? Pourquoi se rendre à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle? La vie change-t-elle quand on change de ville? À quoi sert-il de voyager dans un monde uniforme? Tu n'as pas froid? N'est-il que moi ici qui me gèle les couilles? Comment? Tu n'entends rien de ce que je te dis à cause de ton casque. Je peux crier n'importe quoi alors. Chanter I want all your hand. Continuer de te mentir en caressant ton dos sous ton pull, puis tes seins par-dessus ton soutif, puis mes doigts dans ta culotte. Putain, est-ce que ça te ferait ralentir Où allons-nous garer cet engin Devant l'aérogare 1 ou dans le parking Pourquoi cette place de parking porte-t-elle le numéro 1 D6 Cela ressemble à 1D6, pas vrai Combien de temps elle dure, cette pilule? Pourquoi les portes automatiques s'ouvrent-elles avant qu'on les touche Pourquoi ces néons blafards nous donnent l'impression de gambader sur la Lune Faisons-nous vraiment ces bons de mettre ou est-ce une illusion Peux-tu recommencer à m'embrasser, s'il te plaît Cela te dérangerait-il que je décharge dans ta bouche Tu accepterais qu'on s'enferme au chiottes pour que je baisse ton visage Tu m'avaleras si je te lèche la chatte C'était bien c'était très très bien Bon sang, c'était super, mais quelle heure est-il maintenant Pourquoi les nuits doivent-elles toujours être remplacées par des journées Au lieu de marcher en sens inverse des tapis roulants à l'intérieur des gros tubes de plexiglas, tuyaux désordonnés construits dans les années 70 qui ressemblent aux pompes de respiration artificielle que l'on plonge dans la gorge des grands accidentés de la route, hein je disais, au lieu de faire les condes en Roissy, si on prenait l'avion. Le premier sur la liste des départs. N'importe où, sauf ici. Pour que cette histoire ne finisse jamais. On s'envole pour le Venezuela, ou la Biélorussie, ou le Sri Lanka, ou le Vietnam. Là où le soleil est en train de se coucher. Vois-tu les destinations crépitées en lettres tournantes sur le tableau démodé Dublin, Cologne, Oran, Tokyo, Shanghai, Amsterdam, Madrid, Édimbourg, Colombo, Oslo, Berlin. Chaque ville est-elle une question Regardes-tu les avions qui s'envolent au bout de la piste Sais-tu qu'à leur bord, il y a des hôtesses bleues qui servent probablement les premiers plateaux repas sous cellophane, à des businessmen sous l'exomile Entends-tu les annonces de départ égrénées d'une voix monocorde par une hôtesse triste, précédée d'un jingle électronique Puis-je caresser encore un peu tes lèvres avant de rentrer Qui de nous deux partira le premier Pourquoi Oh pourquoi faut-il se dire adieu est-ce que tu déprimes autant que moi dans les aéroports Ne trouves-tu pas qu'il y a une poésie dans ces lieux de passage, une mélancolie des départs, un lyrisme des retrouvailles, une densité dans l'air chargée d'émotions climatisées Combien de temps dure la descente Notre amour survivrait-il sans vacances chimiques Quand donc cesserons-nous de nous taire en regardant le jour se lever dans cette cafétéria vide Pourquoi tous les relais H restent-ils fermés et les jeux vidéo éteints Envis-tu ces cadres moyens qui attendent leur vol dans des antichambres d'allées de linoleum vachis sur des sofas oranges en buvant du café instantané Que faut-il penser de ce douanier à mauvaise haleine, de ce technicien de surface qui traîne une bruyante poubelle à roulettes, de ces clodos qui ronflent sur des banquettes en plastique mauve Que veulent-ils nous dire Qu'il n'y a plus de fuite possible Qu'on ne pourra jamais s'évader de soi-même Que les voyages ne mènent nulle part qu'il faut être en vacances toute sa vie ou pas du tout? Pourrais-tu lâcher ma main, s'il te plaît? Ne sens-tu pas comme j'ai besoin d'être seul au milieu de ces bagages abandonnés? Serait-il possible de se quitter sans trop souffrir, même devant la publicité en vie de Gucci? Et tandis que nous regardions les yeux embués s'envoler les 747, je ne pouvais m'empêcher de me poser une dernière question. Pourquoi ne sommes-nous pas à bord? Le jour où j'ai plu aux filles. Ce matin-là, le jour s'est levé. Je veux dire, il s'est vraiment levé. Car auparavant, il était assis. Et je vous assure que ça fait une drôle d'impression un jour qui tient debout. Ma vie était un enfer, je n'aurais pas souhaité à mon pire ennemi. Je n'avais pas dormi depuis six mois. Mon estomac prenait feu malgré des Niagara de Malox. Ma femme était partie avec une vedette du Showbiz. J'avais pas d'enfant. Bref, j'habitais Paris en 1994. Cependant, ce matin-là, au lieu de geindre, moi aussi, j'avais juste envie d'être debout. Comme le jour. Sans rire, il y avait quelque chose dans l'air. Je l'ai senti dès que je suis sorti de chez moi. Une fille m'a souri dans la rue, puis sa copine. Au niveau, sourire de fille inconnue dans la rue, je venais de battre ma moyenne hebdomadaire en dix minutes. Je me suis dit, qu'il fallait en profiter. Il n'a pas été très difficile de rattraper les deux filles. Comme toujours, dans ces cas-là, il y en avait une jolie et une moche. Et ça faisait deux cafés à payer. « Trois, en comptant le mien. »« Je leur ai proposé. »« On s'assoit soit une terrasse ?»« Pourquoi faire » m'ont-elles répondu en chœur. « Si tu veux faire l'amour avec nous, on est d'accord. »« Pas besoin de payer de café. Trois, en comptant le tien. » La jolie m'a embrassé sur la bouche en y tournant sa langue. La moche a posé sa main sur mes couilles avec une certaine délicatesse. La jolie a glissé la sienne dans ma chemise pour caresser mon torse glabre. La moche m'a fait bander. La jolie a tiré mes cheveux. La moche a roulé une pelle à la jolie. La moche était plus jolie que la jolie. Et tout ceci se passait en pleine rue, dans les passants indifférents, puisque je vous dis que ce matin n'était pas tout à fait normal. Nous sommes allés sur un banc public, et tandis que je léchais l'oreille de la jolie, la moche s'installait à califourchon sur moi. En l'absence de culotte, elle avait un intérieur confortable. Après quelques secousses, nous jouîmes tous à l'unisson. Je suppose que nous avons crié très fort, car quand j'ai rouvert les yeux, il y avait un attroupement autour de notre banc. Certains badauds avaient même jeté des pièces. Le temps de les ramasser, et les deux filles avaient disparu. J'ai fermé les boutons de mon 501 blanc. Jamais une chose pareille ne m'était arrivée. J'avais vu des suicides, des overdoses, des adultères. J'avais participé à des émissions de télévision. Il m'était parfois arrivé de m'habiller en femme. Mais jamais, au grand jamais, je n'avais encore joui dans des inconnus sans présentation ni préservatif. Mon existence poursuivait sa course infernale vers le bout du n'importe quoi. J'ai continué de déambuer sur le boulevard. Les gens sifflotaient, riaient, certains se parlaient presque. La vie était pleine de gentillesse, comme si Dieu avait brusquement doublé le taux d'oxygène de l'atmosphère. J'entrai dans un bistrot et Aurore m'a fait un signe. Aurore, c'est fille du bar. Elle portait toujours des bodys moulants qui laissaient nus ses épaules. Elle faisait du 92 de tour de poitrine. Je l'aimais quoi. Tu devineras jamais ce qui vient de m'arriver, lui ai-je lancé. Je viens de me taper deux gonzesses sur un banc. Elle m'a regardé, droit dans les yeux. Écoute, t'es pas terrible, mais t'as du charme. Ça fait longtemps que tu me tournes autour. Si on allait régler ça au ladies room. Quoi, là, maintenant Aurore ne plaisantait pas et je vois pas pourquoi j'aurais hésité. Après tout, si quelqu'un avait décrété que je collectionnerais les orgasmes précisément ce jour-là, il n'y avait pas de quoi s'insurger. J'ai suivi dans l'escalier en colimaçon, où elle m'inonda de sa luminosité ambrée. Aux toilettes, il y avait deux types qui pissaient. Quand ils nous ont vus entrer, voilà ce qu'ils ont vu. La main d'horreur dans ma braguette ouverte, mon zizi tout dur, son t-shirt roulé au-dessus des seins, la vie étalée sur nos visages brûlants. Ça les a agacés. À tel point qu'ils sont venus nous rejoindre, les sexes sortis. Aurore les a accueillis dans ses mains, son sexe, sa bouche, ses fesses, tout le monde en a pris pour son grade. L'éjaculation fut copieuse et elle en avala une bonne partie. Personnellement, j'abandonnais des millions de spermatozoïdes en elle avec lâcheté. Je comprenais de moins en moins ce qui se passait. La société moderne était-elle devenue un film porno grandeur nature? Ou bien étais-je simplement devenu beau? en tout cas je plaisais c'était un fait et c'était nouveau j'ai pas tendance à généraliser de façon hâtive mais là force m'était de constater que ma jeunesse insouciante ma chemise propre et mon mental responsable m'avaient transformé en rouleau compresseur sexuel trois filles en une matinée quelle bonne action avais-je accomplie pour mériter pareille récompense plus tard l'après-midi brillait de tous ses feux je pris l'autobus je fis l'amour à joséphine muriel antoinette pascaline Anne Christine et Naomi, entre les stations Bac Saint-Germain et Trocadéro. Un teckel prénommé Marcel se frotta même contre le bas de mon pantalon. Mon charme n'expliquait pas tout. Il devait y avoir autre chose. Ce n'était pas de l'humilité, mais de la lucidité. Tout à coup, mon regard s'est arrêté sur un kiosque à journaux. Ah, c'était donc ça. La une du Figaro annonçait Sida, le vaccin est découvert. Libération titrée. Syndrome immuno très très déficient. Malheureusement, l'autobus allait trop vite pour que je puisse lire le titre du journal Le Monde. Je m'étais bien dit qu'il y avait un truc. On devrait toujours écouter la radio en se réveillant. J'étais très vexé. Mais quelle importance, puisque le monde était sauvé. La première gorgée d'ecstasy. C'est un comprimé verdâtre et rond. Il a coûté 150 francs. Le packaging est très haut de gamme. Un minuscule sachet en plastique d'un centimètre carré. Comme ça, le cachet fond dans la bouche, pas dans la main. Avant de l'avaler avec une gorgée de coca, j'ai hésité un dernier instant. Impossible de savoir ce qu'il y a là-dedans. Faut faire confiance à des types qui ont trafiqué cette pilule dans des laboratoires clandestins au fond d'une cave mal éclairée. Si ça se trouve, ils ont tripoté ce truc avec des mains dégueulasses. Trop tard. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Et à espérer que ces inconnus connaissent leur boulot. l'extasie c'est encore pire que le sol élastique. Chaque extasie est un plongeon dans le vide sans respect des normes de sécurité. J'ai suivi les conseils du dealer, ne pas boire d'alcool, le mélange étant dangereux. Et ne pas dîner. Un estomac plein diminue les effets de la drogue. Me voilà donc comme un imbécile, à poireauter sans pouvoir picoler ni casser la croûte. Ça doit être ça, un apprenti drogué. Un mec qui boit pas ne bouffe rien et qui regarde sa montre toutes les cinq minutes. Au bout d'une demi-heure d'attente, je regrette d'être le pigeon qui a dit moi quand on a demandé qui voulait tester l'extasie. Je trouvais l'idée rigolote et puis ça me plaisait de me prendre pour Lester Banks ou Hunter Thompson, le genre gonzo journaliste kamikaze prêt à toutes les expériences pour une pige de plus. Toutes les drogues ont eu droit à leur littérature. Autour de l'exta de faire son entrée dans l'histoire des lettres. Ceci est une opéa sur le MDMA. Une autre demi-heure s'écoule. Toujours rien. Soudain, une vague de chaleur me monte au cerveau. On dirait une décharge électrique. Mais tout de douceur et de tendresse. Je peux plus m'arrêter de sourire. Toutes mes extrémités accueillent cette onde de chaleur avec bonheur. Mes pieds et mes mains sont plus légers que l'air. Je suis parfaitement conscient de ce qui m'arrive et contrôle entièrement cette nouvelle énergie interne. Je trouve ça plutôt amusant. Je me lève. La montée continue. J'entends dans mes oreilles un bourdonnement de bien-être. La vie me paraît tout un coup extrêmement simple. On naît, on rencontre des gens passionnants, on les aime, on discute avec eux, parfois on couche ensemble, la mort n'existe pas, c'est une chouette nouvelle. Terriblement envie de parler. Je vais voir tous les gens pour leur dire à quel point je les trouve sympas. Même mes ennemis ont toutes les qualités. D'ailleurs, des ennemis, c'est bien simple, j'en ai pas. Je complimente tout le monde, c'est un peu embêtant. Si Adolf Hitler était dans cette boîte de nuit ce soir, j'irais l'embrasser en lui disant qu'il a dû beaucoup souffrir pour faire tout ce qu'il a fait. Et tant que je sors prendre l'air, dehors il pleut et chaque goutte caresse mon visage avec bienveillance. Je me suis jamais senti aussi à l'aise. J'ai plus de problèmes dans l'existence. Le monde est plein d'amis intéressants, d'aventures folles qu'il me reste à découvrir dans les heures qui viennent. Je fonce dans un autre club. Je suis complètement désinhibé. Jamais je n'ai été moins timide. Certaines filles me regardent un peu bizarrement quand je les demande en mariage alors que j'ai déjà une alliance au doigt. Je fais corps avec la musique. J'ai très chaud. Des bouffées de transpiration me submergent et me donnent une envie irrépressible de danser. Je compose des airs de House incroyables dans ma tête. Je suis Wolfgang Amadeus House. Les danseuses s'agitent autour de moi. Je leur souris. Nous communions. Mes gestes sont parfaits. Le rythme dessine des arabesques avec mes bras traversés de lasers holographiques tridimensionnels. Je sais que je suis complètement défoncé, mais ça ne m'empêche pas de caresser des joues, des coups, des bouches pleines de compréhension. Lorsque je regarde ma montre, il s'est écoulé deux heures et demie en cinq minutes. C'est alors que les ennuis commencent. Je m'aperçois que j'ai horriblement soif. Ma gorge est desséchée. Un copain me sert quatre grands verres d'eau que j'avale tu sec. J'ai les dents serrées, les mains très moites, les oreilles qui sifflent. Une des filles à qui j'ai déclaré ma flamme il y a trente minutes vient se coller à moi. Je me sens oppressé. Il faut absolument que je sorte de cet endroit étouffant. Comment ai-je fait pour tenir aussi longtemps sans respirer? Je m'enfuis. L'oxygène de la rue me calme un instant, mais très vite je commence à penser. C'est à partir de là que les choses se gâtent vraiment. Tous mes problèmes, disparus depuis trois heures, me reviennent en tête à toute berzingue. Soucis d'argent, conspirations diverses, difficultés conjugales, impossibilités de l'amour, certitude de la mort, ma vie n'est qu'une merde. Et j'ai un nœud atroce dans le ventre. Je rentre chez moi en espérant m'endormir, mais c'est peine perdue. Je n'ai absolument pas sommeil. La seule solution constructive serait un suicide rapide par défenestration. Il ne reste plus qu'à attendre le lever du jour en claquant des dents et en maudissant cette saloperie de drogue mensongère. En plus, il n'y a rien à la télé à cette heure-là. Je contemple des chasseurs qui tirent sur des bestioles. Ma principale distraction consiste à répéter deux mille fois, un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Le plafond me méprise. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour entrer dans le lagard des Michards? J'ai passé ma soirée à faire des confidences très personnelles à des inconnus et des déclarations d'amour à des tons. L'extasie fait payer très cher ces quelques minutes de joie chimique. Il donne accès à un monde meilleur, une société où tout le monde se tiendrait la main. On ne serait plus seul. Il fait rêver à une ère nouvelle. Débarrassé de la logique aristotélicienne, de la géométrie euclidienne, de la méthode cartésienne et de l'économie Friedmanienne. Il vous laisse entrevoir tout ça, et puis, tout d'un coup, sans prévenir, vous claque la porte au nez. Manuscrit trouvé à Saint-Germain-des-Prés. Je suis assis au premier étage du floor pour la dernière fois. Je savoure mon dernier verre de Coca-Cola et vie. Ça sera bientôt fini, ils arrivent. Au bout du boulevard Saint-Germain, on entend déjà leurs cris. Les slogans de mort, le bruit assourdissant des grenades artisanales qui font exploser les boutiques de mode. John Loeb, l'agence de crédit lyonnais rue du Bac, ils ne sont plus très loin. J'écris ces quelques mots dans l'urgence. Ce n'est pas un testament car je n'ai rien à transmettre. Tout ce que j'ai connu va disparaître. Notre chute n'étonnera personne. Dans les siècles à venir, les livres d'histoire énuméreront les causes de ce qui s'est produit. La déception du météorandisme, puis du chiraquisme, la fracture sociale, comme il disait. Mais cela me fait tout drôle de devoir mourir un 10 mai. Drôle d'anniversaire. J'espère qu'ils ne seront pas trop cruels, que ça ira vite, qu'on sera rapidement débarrassé de moi. Il faut dire que nous l'avons bien mérité. Tout a commencé quand la mairie du 6e arrondissement a décidé d'expulser les SDF de la rue du Dragon. Dès le début, quelle idée saugrenue de les avoir laissés s'installer. Le verre était dans le fruit. Pendant une année entière, ils ont pu observer l'ampulence dans laquelle nous vivions, nos magasins de fringues de luxe, nos restaurants écœurants, nos clubs privés d'eux, nos voitures de sport mal garées, et nos maquins vedettes mal baisés, toute cette pourriture que nous étalions sans vergogne devant l'immeuble du DAL, dans le logement. Comment aurions-nous pu nous douter que cet immeuble était leur cheval de Troie L'élection de Jacques Chirac en mai 1995 s'est faite sur un curieux malentendu. Je souris en écrivant cet euphémisme, car au dehors j'entends le vombrissement du dernier hélicoptère de notre milice de sécurité privée. Heureusement qu'elle est là, celle-là. Si on ne comptait que sur la police pour nous protéger, je vais peut-être avoir un peu de répit pour terminer ce texte. Pardon, si je mélange tout. Je ne pense pas que j'aurai suffisamment de temps pour me relire. L Expulsion de la rue du Dragon, on sans doute, s'est très mal déroulée. Les techno-CRS ont dû se battre, non virtuellement, mètre carré par mètre carré. On ne comptait plus les morts dans les deux camps. C'était la guerre en direct sur TF ⁇ le retour de la lutte des classes, les riches contre les pauvres. Meilleur audimate de l'année. Après ça, le gouvernement Madelin nous a enjoint de nous débrouiller tout seuls. C'est alors qu'a germé l'idée du mur de Saint-Germain-des-Prés. Au début de cette année, on a commencé à bâtir un rempart de 3 mètres de hauteur tout autour du quartier. L'édifice englobait les rues Jacob, résidence de l'ex-premier ministre, des Saint-Père, du Four et de Seine, protégeant notre village contre les éventuels envahisseurs. Une magnifique réalisation architecturale dessinée par Philippe Stark avec caméra thermique et mirador laser. Une collecte au porte-à-porte -porte finança la construction ainsi que l'achat des hélicos télécommandés pour la ministre de Saint-Germain-des-Prés. C'était la belle vie, alors. Nous pouvions à nouveau nous promener en toute sécurité dans le quartier. Les Germano-Pratin retrouvaient le sourire. Des fêtes étaient organisées partout. Tous les appartements restaient ouverts jour et nuit. On pouvait laisser les clés sur le contact de sa Ferrari sans danger. La nuit, seuls les projecteurs des hélicos de surveillance trouvaient l'obscurité au-dessus de Chelip. À cette époque, le reste du pays, en dehors de ce périmètre, était bien entendu déjà à feu et à sang. La rumeur se rapproche. Ma main tremble de peur car je suis un lâche. Bon sang, je ne veux pas mourir. Je sais déjà que je les supplierai à genoux comme une merde. Je voulais garder mon fric et laisser les exclus se débrouiller. Mais putain, j'étais comme tout le monde. Je pensais pas que la situation dégénérerait si vite. Certes, le jour où ils ont éventré Bernard-Henri Lévy et Ariel Dombal, pourtant venus pacifiquement à leur rencontre pour entamer le dialogue, j'aurais dû me douter que notre tour viendrait. Mais j'ai fait comme les autres, j'ai cru que ce n'était qu'un incident isolé. Et puis, il y a eu le viol collectif de Claudia Schiffer, meilleur audimat de TF, cette année. Et je me souviens très bien que nous avons tous espéré que ce gambang les calmerait. Quand ils ont brûlé Mathieu Kazovitz, nous avons enfin ouvert les yeux. Mais il était trop tard. La suite est connue l'attentat de chez Castel, l'incendie de chez Grasset, l'atroce pendaison de Philippe Solers par les pieds à la cloche de Saint-Germain-des-Prés. J'ai envoyé mes deux derniers bodyguards en reconnaissant sur le boulevard. Que font-ils Ça fait dix minutes qu'ils auraient dû m'envoyer les 3D vidéos sur ma Microsoft Swatch. Nous récoltons ce que nous avons semé. Ah ça, nous l'avions fêté, la chute du communisme. Cette fois, le capitalisme était victorieux. Aveugle que nous étions. Toutes les questions posées par Karl Marx restaient posées avec cent mille fois plus de violence. Nous pensions qu'il était tout naturel qu'une infime minorité de privilégiés dirige une immense majorité de démunis. Nos appartements géants nous semblaient justifiés. L'insoutenable obscénité de nos trains de vie ne nous sautait pas aux yeux. Je viens d'apercevoir la tête d'un de mes gardes du corps par la fenêtre, les yeux exorbités au bout d'une pique. Ils sont entrés dans le flore. Sartre revient. Ils sont devenus fous. Enfermé au chiotte, je vous griffonne cet adieu. Bruit de pas dans l'escalier. Les voilà. Ils tapent dans la porte. Je ne crois pas que j'arriverai à devenir leur ami. Cafard après la fête. Je lui ai dit, tout commence toujours le lendemain matin. Il avait une sale gueule. Sa barbe avait déjà repoussé. Nous avions mauvaise haleine et il ferait bientôt jour. On entendait au loin le sifflement d'un camion poubelle de la rue de Varennes. Louis est un vieil ami, mais il tombe trop amoureux. Ça le rend chiant. C'est ça, c'est ça, et après tu vas me dire que la vie est un lendemain de fête. Il a mis un vieux 45 tours à Franklin et j'ai fini la bouteille. T'as vu ses yeux Non mais, réponds-moi, est-ce que t'as vu ses yeux Évidemment que j'ai vu ses yeux je connaissais bien Laetitia et je savais surtout que ses yeux m'avaient autrefois posé un problème similaire. Louis était mal barré et Arrêta disait une petite prière pour nous. « Elle m'a dit qu'on se reverrait très vite. »« T'as son téléphone ?»« Ben, euh, mon 4332. Mais il euh, n'y a pas de mai. » Elle était déjà réveillée, mais elle n'était pas seule. Et Louis avait raccroché précipitamment. Maintenant, je savais que la nuit serait blanche. Je t'avais prévenu, elle est comme ça. Chaque fois qu'elle te dit bonjour, ça sonne comme un adieu. Je regrettais d'avoir été si brusque. Je détestais consoler Louis. Il me rappelait ma mauvaise époque. L'angoisse est entrée dans la pièce. Si quelqu'un cherche l'adresse de l'angoisse, je peux lui dire où elle loge. L'angoisse se rencontre à heure fixe. L'angoisse a une géographie très localisée. Mais Louis aimait souffrir. Il faisait partie de cette catégorie de types qui refusent de faire partie d'un club si on les accepte comme membres. En un sens, je voyais très bien ce qui n'allait pas. Ce qui n'allait pas chez Louis, c'est que ça ne pouvait pas aller. Je m'en fous de toute façon. Ce qui compte, c'est que je l'aime. C'est ça qui compte. Le reste, je m'en fous. Louis, t'aurais pas du Doliprane Nous avons marché. Nous avons petit déjeuner au bar du marché. Nous sommes partis sans payer, nous avons couru. Nous avons croisé la chanteuse Dany, rue Lobino. J'ai vomi devant chez Fernand. Louis a sniffé du Poppers devant chez Guy. Tout est de ma faute. C'est moi qui ai eu l'idée d'y aller. Je me souviens très bien de l'adresse de Laetitia. Je l'ai dit au chauffeur de taxi Avenue Velasquez, dans le 8e arrondissement, une impasse qui donne sur le parc Monceau. J'avais rien oublié. La blessure était toujours ouverte. Tout est de ma faute. Louis a sniffé un grand coup dans chaque narine, puis a sonné à la porte. « Oh, Laetitia, petite ange, pourquoi as-tu ouvert si facilement On t'a pas appris qu'il faut demander qui c'est avant d'ouvrir la boîte de Pandore ?»« La main sur la bouche, vite !» Je me suis exécuté. Laetitia m'a mordu. J'ai fermé le poing et cogné son œil gauche. Louis lui tordait les bras dans le dos. L'appartement puait le poppers. Il avait renversé la bouteille en entrant. Parents de Laetitia étaient partis travailler, son mec aussi. Nous avions toute la journée devant nous. Avez-vous déjà essayé de faire avaler une balle de tennis à une fille Je vous assure que ça prend du temps, mais ça en vaut la peine. Maintenant, Laetitia ne crie plus, ou plutôt si, mais personne ne l'entend. Le parents, du coup, fauteuil Louis XV, disque des Doors, whisky irlandais. Dans l'ordre, nous avons mis le feu au premier, rayé les seconds, vidé la bouteille. Louis a aussi trouvé une cravache dans la chambre de Laetitia. Elle monte au polo. Nous avons vengé son cheval. Dis, tu crois qu'elle aurait pu m'aimer Laisse tomber. On aurait pu partir tous les deux en voyage. On aurait été tranquilles. Personne nous aurait dérangé. Louis, je crois qu'on ne devrait pas trop s'attarder ici. Elle m'a dit qu'on se reverrait très vite. Ok Louis, mais maintenant c'est un peu tard pour vous marier. Je crois qu'on a un peu trop déconné ici. Je crois qu'on devrait se tirer avant que quelqu'un rentre. Laetitia, l a -E, dans la T I T -i A. Louis, tu fais ce que tu veux, mais moi je me casse. Une brise glacée m'a giflé le visage. La nuit était luisante de pluie. Louis avait déconné. Je commençais à avoir la trouille. Il était resté là-haut avec Laetitia évanouie, évanouie et ligotée. Je me souvenais pas de tout, mais il semblait bien que lui avait déconné. Les fêtes sont comme la vie. Elles naissent et meurent comme des êtres humains. Elles connaissent des moments d'apogée et des instants de déchéance. Elles ont des hauts et des bas. Comme nous, elles brillent et s'écroulent dans la poussière. Comme nous, les fêtes sont sans lendemain. Lorsque lui m'a téléphoné, je n'ai pas décroché. Le répondeur a tout enregistré. J'ai pas tout compris. Mais en gros, il m'annonçait que Laetitia et lui étaient enfin réconciliés. Il me demandait si j'acceptais de leur servir de témoin, si je voulais bien être le parrain de leur enfant. Il pleurait. On pouvait entendre les larmes couler sur le combiné. À la télé, les demoiselles de Rochefort s'agitaient. Jacques Demi venait de mourir. Quand vous mourrez, on passe vos films. C'est pour ça que les gens font du cinéma. Pour rendre leur vie importante. Je me suis rendormi. Et j'ai rêvé. J'ai rêvé d'un monde plein de couleurs vives et de filles avec des fossettes bronzées. Des mélodies de mon enfant sonnaient à mes oreilles engourdies. Le soleil pleuvait. J'ai rêvé que je marchais vers toi et que tu prenais ma main. J'ai rêvé que mon cœur rougissait que nous courions dans une forêt de nénuphars et que les oiseaux fleurissaient. J'ai rêvé de l'amour, et j'ai aimé ce rêve. Comment devenir quelqu'un Ma vie est merdique. Je vais la supprimer. J'en ai marre de trimballer des cons qui puent l'after-shave et renversent de la coke sur la banquette arrière. Je suis bourré de pastis et de prosaques et j'emmerde leur brushing de sitcom brésilien. Comment suis-je arrivé là J'en sais rien. Quand j'étais petit, je croyais que j'avais toute la vie devant moi. Maintenant, je suis un gros beauf. Chauffeur intérimaire sur Paris Couronne. Et sous moi coule la rue de Rivoli. Je longe des appartements cossus avec vue sur les tuileries, remplis de pétasses décolorées qui sont enculées par des animateurs télé sur des canapés Roméo. Derrière moi, la clientèle éclate de rire. Je sais pas quelle connerie son mec basané lui a encore raconté. Darling, je me suis acheté un nouveau hélicoptère pour la bateau. Ou une nouvelle bateau pour la hélicoptère. Ou un avion pour faire du 434 dans le piscine. Je t'emmerde, du con. Je vais te finir à la pisse. Je suis fracassé et j'écrase l'accélérateur. Je l'épine dans le rétro. Son époudré, ses cheveux gominés, sa gourmette dorée. Elle va bientôt s'arrêter de gousser, sa radasse. J'aurais que la vie me donnerait une chance, me réserverait quelques surprises. Tintin, les surprises sont pour les riches. La vie des pauvres est prévisible. On peut la raconter à l'avance. L'avenir n'est pas passé par moi. Je suis moche, mal sapé. Ils regardent ma grosse nuque, mon cou de taureau. Ils sont beaux, ils sentent bon, ils méprisent. Elle rit de moi, c'est sûr. Je vais mettre fin à tout ça. Pas de la Concorde C'est beau une ville la nuit. Tiens, même ça, c'est pas de moi. Je suis un type pauvre, donc un pauvre type. Celui avec qui on reste pas, celui qu'on appelle par son prénom avec monsieur devant, comme tous les larbins. Jamais mon destin n'a ressemblé à la place de la concorde. Jamais limpide, scintillant, adjectif réservé à d'autres. Je bois pour oublier qu'on m'a oublié. Une vie dénuée de signification. J'accélère parce que j'en ai marre des bas-côtés. Nom de Dieu, ça y est. Elle a défait la braguette de l'arabe. Elle le prend en bouche, ma parole, je les vois dans le rétro. Ça doit les exciter de savoir que je peux les surprendre. Elle lui pompe le dard pendant qu'il renifle sa cocaïne. Qui crève J'en ai marre d'encaisser. Qu'est-ce qu'elle lui trouve à parsembler Pourquoi ça m'est jamais arrivé de me faire lécher les burnes à l'arrière d'une limousine bordel de merde Pourquoi elle me regarde avec commisération la prostituée avec son balayage et son parfum entêtant à la mort je hais la gentillesse des riches, leur sourire qui signifie « va-t'en », qui vous donne l'impression de mendier. Je me sens si laid et inférieur. L Autoradio diffuse « Viva Forever » par les Spice Girls. Je monte le son. Je suis la chose la moins intéressante dans cette voiture. Partir de rien pour arriver nulle part. Je prends les voies sur berge. Le connard gluant fait exprès de geindre comme un acteur de porno. Partir de rien pour arriver nulle part. Moi aussi, j'ai eu des femmes, elles étaient moches, et je les rendais tristes, je les étonnais pas. Elles regrettaient d'être avec moi. Personne n'a jamais voulu vieillir avec moi. Pas même moi. J'ai jamais été amoureux. J'ai jamais fait jouir personne. L'amour coûte trop cher, j'avais pas les moyens. Je suis gras. Sur le volant, je serre mes doigts velus et boudinés de chauffeur merdique. Mon père me répétait tout le temps que j'étais un incapable. Et j'ai tout fait pour lui donner raison. J'ai pas fait d'études. Trop occupé à glander devant la télé. Perdre mon temps à me pocheronner. Le seul examen que j'ai réussi, c'est le permis de conduire. Et encore, grâce au service militaire. À quoi servent les gens comme moi Nous sommes inutiles et encombrants sur cette planète. On parle pas de nous, dans voici. Y aura pas grand monde à mon enterrement. Mon Dieu, si tu existes, explique-moi pourquoi j'ai été toujours si mal habillé. Oh, ça y est, il a giclé dans sa bouche le salopard. Elle recrache le foot dans son mouchoir. Il pouvait même pas avaler ça. C'est sûr c'est moins bon que le d'iran On a bon vent de son cul, faut pas pousser jusqu'à boire du spam d'arabe, hein ma pute Regardez comme ils sont heureux. On dirait une photo. Ils vont me le payer. J'étais tranquillement accoudé au bar de l'oubli, en train de m'enfiler les passisses derrière la cravate, à tenir des propos racistes avec d'autres loques humaines, et soudain mon porte sonne. Faut que j'y retourne les gars. Je dois recevoir leur bonheur immaculé dans ma trône médiocre et on voudrait que je dise merci. Le Métec passe ses doigts manucurés dans les cheveux de la blondasse. Viva Forever tu parles. Feront moins les fiers quand leurs gueules dents jet-set seront incrustées de vert pilé. » On a tous un jour ou l'autre sa chance à saisir. Je ne l'ai jamais eue avant cette nuit. Aujourd'hui est le dernier jour du reste de ma vie. On m'a licencié de partout, mais ce soir je prends les choses en main. Pour la première fois de ma vie, j'ai une ambition. Quand on a raté sa vie, faut au moins essayer de sur sa mort. Mr Paul, you're driving too fast. Ah, ça y est, elle flippe la princesse. J'allais tout de même pas laisser passer une occasion pareille. L'alma approche. On s'engouffre dans le tunnel à 200 à l'heure. Allez hop, un coup de volant, rien à perdre. Je fonce dans le mur. Allez tous vous faire foutre. Le monde entier va me connaître. Une mort grosse comme le Ritz. Va savoir. Peut-être que je serai célèbre jusqu'en l'an 2000. L'homme qui regardait les femmes. Le sexe est devenu un show permanent dont nous sommes tous les spectateurs assidus. Le dimanche soir, j'allume même 6 aux alentours de 22h30. Une superbe mulatresse baudelairienne initie une jeune suédoise aux joies de la Johnson's Baby Hall. Attentivement, je les regarde se frotter, très nus, l'une contre l'autre. Leurs feulements sont doublés en français. Mon monde est plein de ces images. Dans mon monde, il y a des doubles peinés, des gangbangs et des éjacs faciales sur le câble. Il y a des publicités pour des gels douches où quelques mannequins étalent de la mousse sur leur sein. Comme dans le clip de Madonna aux yeux bandés et celui de Zazie où tout le monde transpire beaucoup en caressant des corps. J'ai rencontré Zazie. En lui parlant, je pensais qu'à cette partouze d'hôpital psychiatrique. À son corps maigre, couvert de peinture fraîche. Je lui ai dit que mon film préféré, c'était Fenêtre sur cours d'Alfred Hitchcock infiniment supérieure à body double ou sliver. Pourtant sur le même registre, le voyeurisme. Souvent je rêve que j'ai la jambe cassée et que Grace Kelly, en robe de haute couture, m'aide à surveiller les voisins d'en face avec une longue vue. Nous passons de longues après-midi à mater par la fenêtre. Malheureusement, mon appartement donne sur une cour où la seule chose à voir est la concierge qui range les poubelles. Aucune voisine sexy ne se promène en cible devant sa fenêtre. Je le déplore, croyez-moi. Parfois, je suis un peu moins voyeur, je deviens écouteur. J'apprécie à leur juste valeur les gémissements de Jane Birkin dont je t'aime moi non plus. Le couple qui vit au-dessus de chez moi ne gémit pas mal non plus. J'écoute les grincements de leur lit qui accélèrent. Je ferme les yeux pour devenir voyeur. Comme dans les fêtes. Là, mon voyeurisme peut s'exercer à satiété. Seul dans mon coin, je peux contempler mes copines bourgeoises déguisées en putes et mes copines putes déguisées en bourgeoises. Je ne tarde pas à me prendre pour Gatsby le Great ou Andy Warhol, si mon verre pendant que mes amis se font corriger à coups de cravache Hermès. En rentrant chez moi au petit jour, je croise des kiosques à journaux remplis de magazines aux titres Tentateur, Démonia, Pussy Mag, Pandora's Blocks, The Financial Times. Avant de monter dans un taxi, je lis l'aventure la d'un sex shop, sans film pour dix francs, pipe chaud permanent, cuir, gadget, lingerie. Je me retiens d'y entrer car je suis trop connu. C'est ma vie. Notre vie, devrais-je dire. Je n'ai pas le cinéma mental. Nous avons une capote mentale. Notre façon de nous protéger, c'est de tout voir sans jamais rien faire. Ma bite, ce sont mes yeux. Si vous saviez le nombre de top modèles que j'ai baisés avec mes yeux, je suis un obsédé visuel. J'observe les êtres humains qui vivent, souffrent, meurent. À la télé ou en vrai. Parler à des inconnus m'effraie. Par timidité bien sûr, mais aussi par ennui. Le cirque de la drague est tellement prévisible. Offrir un verre, boire le verre, dire des compliments, danser le jerk, poser la main sur la cuisse, embrasser avec la langue, raccompagner en scooter, prendre un dernier verre dans l'appartement, bander de la bite, pénétrer le vagin, aller et venir. Jouir du sperme dans un préservatif, se retenir de partir en courant juste après, se contenter de regarder est moins fastidieux. La scoptophilie est une paresse constructive. Scoptophilie, synonyme de voyeurisme, Bandignard. Je suis voyeur de tout. Rimbaud avait tout faux. Le poète ne doit pas se faire voyant il faut se faire voyeur des nuages voyeur de la lune et des étoiles. Voyeur du soleil quand il se lève et se couche et se relève, voyeur des aéroports, voyeur des voyageurs. Je suis voyeur des passantes, des serveuses, des sandardistes, des vendeuses de hot-dogs, voyeur de Christie Turnington et de la Seine sur le pont des Arts, voyeur du ciel sur l'île de la Cité, voyeur des non-voyants, voyeur des voyeurs. Enfin, je rentre à la maison. Il n'y a qu'avec ma femme que je ne suis plus voyeur. Avec elle, je me venge. Avec elle, je suis aveugle. Extasie à Gogo. Il fait nuit noire dans tout l'univers. L'univers est une immensité vide et obscure, ne rimant à rien. Quelque part dans cet espace infini se trouve une petite sphère, inutile, nommée la Terre. Sur cette planète ridicule, plusieurs continents sont posés sur l'eau qui se battent en duel pour rien. L'un d'entre eux s'appelle l'Asie. Au sud-est de l'Asie se situe un bordel géant qui porte le nom de Thaïlande. En bas de ce pays, l'île de Phuket accueille les humains désœuvrés. Sur cette île, il y a un village particulièrement agité la nuit, Patong. Dans Patong, les baraputes sont innombrables, mais l'un d'entre eux est renommé pour la qualité de son animation, à Agogo. Sur présentation de la carte ci-dessous, il vous sera réservé un accueil des plus chaleureux, ainsi que 20% de réduction sur la première consommation. Or, qui trouve-t-on accoudé au comptoir de ce lieu de débauche en train de siroter une bière singa à 60 bahts, 10 francs, l'unité Frédéric begbédé autour de minuit. Frédéric est venu ici passer les vacances de Noël avec Delphine, son amoureuse. Mais ce soir, ils se sont accordés une nuit en célibataire, chacun de son côté a le droit de faire ce qu'il désire jusqu'au petit matin. Frédéric et Delphine forment en effet un couple moderne. Divorcés, ils refusent de se remarier et font parfois semblant d'être seuls pour pouvoir rester ensemble plus de trois ans. Ce qui explique pourquoi Frédéric n'est pas accompagné ce soir. Il contemple les créatures en string et soutien-gore qui ondulent sur le bar circulaire en léchant des barres verticales en acier comme on en trouve dans le métro parisien. Elle regarde du coin de l'œil un écran géant sur lequel est diffusé un match de boxe tie sponsorisé par Samsung. Frédéric se saoule de ce spectacle de sexe et de violence entrechoqués. En Thaïlande, les filles se prostituent et les garçons se battent, c'est comme ça. Ce qui tue les couples, c'est la fidélité. Murmure-t-il en observant fixement une petite brune en guêpière et escarpins vernis à talons aiguilles. Son ombril est percé d'un faux diamant et un dragon est tatoué sur son épaule frêle. Elle se penche vers lui et lui sourit en se léchant les lèvres. Il demande au barman Combien pour le numéro 25 mais le barman ne comprend pas l'anglais et lui sert une nouvelle chinga glacée. Un DJ décoloré diffuse de l'orodens. Je préfère la culpabilité à la frustration. Marman Frédéric, car il a eu une éducation catholique. Il se demande où peut bien être Delphine à cette heure Peut-être se fait-elle masser par une thaïlandaise Ou bien est-elle au lit devant un film de cul où elle s'est endormie après avoir fumé une pipe de bœuf. La gogo -Go girl continue de s'arc-bouter sur lui. Frédéric respire entre ses seins. Il ne peut pas s'empêcher de chercher un être humain dans ces endroits faux. La fille porte Kenzo Jungle. Frédéric se marre. C'est lui qui a conçu la pub de lancement de ce parfum. Un film de 30 secondes montrant une japonaise blonde qui croise un troupeau d'éléphants métalliques dans une savane virtuelle. Réalisation Jean-Baptiste Modino, direction artistique Thierry Gounod. Si la fille savait qu'elle essaie de se vendre à l'homme qui lui a vendu son parfum, le monde est minuscule et il fait nuit noire dans tout l'univers. Essayez un peu de l'imprivoiser, disait sa signature. Il ne croyait pas si bien écrire. Le mélange des races lui plaît autant que celui des alcools. Mais la chauveur numéro 25 suce ses doigts en s'éloignant au rythme de la techno vers deux Allemands ventripotent en t-shirt Adidas qui l'applaudissent à tout rompre. L'amour et le désir sont deux choses distinctes, songe Frédéric. Soudain, on tape sur son épaule. Un gros asiatique lui sourit. Sous sa fine moustache, lui manque deux dents de devant. Y girl. Frédéric tape dans la main du joueur de sumo édenté. Beautiful, uh, why not? Uh, but I'm looking for something special. Le bonhomme hoche la tête et lui fait signe de le suivre. Ils sortent de l'extasie à gogo. Dans la rue moite, à 35 degrés centigrades, ils slaloment jusqu'à une porte sombre, surmontée d'une enseigne clignotante. Massage par lourd. Le gros entre le premier. Frédéric lui emboîte le pas. Après un dédale de couloir éclairé au néon rose, ils parviennent dans un salon à la lumière plus tamisée. Frédéric explique au sumo macro qu'il ne veut pas d'un body-body traditionnel. Il lui en faut davantage pour l'exciter. « I want something special, uh, you understand ?» Le type joint les mains en geste de prière et hoche la tête, puis disparaît après avoir prié Frédéric de patienter. « Five minutes, I'll come back. » Frédéric ne peut s'empêcher de penser à la devise du peintre Francis Bacon. « On est, on meurt, et s'il se passe quelque chose entre les deux, c'est mieux. » En traversant Bangla Road, il a croisé environ 2000 prostituées. Il n'a pas réussi à rester froid. Les enceintes de Marc Bose crachent la dernière chanson de George Michael. I think I'm done with the sofa. Let's go outside. Au bout de 300 secondes promises, le gros chambellan revient, accompagné d'un superbe cateauille. Travesti thai, Le transsexuel a deux seins magnifiques, contredits par un beau sexe en érection. Frédéric fait non de la tête. I'm sorry. Il comprend ce que ce hiatus peut avoir de troublant, mais ce n'est pas ce qu'il avait en tête ce soir. You'll wait five minutes! Le maître de cérémonie doit pendre ce refus comme un défi, car il s'éclipse avec un sourire satisfait en emmenant sa drag queen déçue par l'âme. Enfin, un client coriace! Frédéric attend la prochaine surprise avec impatience. Il ne se rend pas compte qu'on ne peut pas attendre une surprise. C'est une contradiction dans les termes. Si Delphine me voyait. Frédéric se dit qu'elle rigolera de bon cœur quand il racontera l'épisode du transsexuel. 300 secondes plus tard, la porte du boudoir s'ouvre de nouveau. Le maître d'hôtel Obès tient cette une fois une petite fille par l'épaule. Celle-ci baisse les yeux, elle est déguisée en écolière, avec une jupe plissée, un cartable, ses cheveux de jet ramenés en deux jolies couettes qui encadrent son visage adorable. My name is Sam. Le gros lard triomphe. al virgin. toi, tu es Il lui explique qu'une moitié vierge désigne une fille qui n'a fait l'amour qu'une seule fois. Mais de nouveau, Frédéric décline l'offre. Il préfère les filles. Avec des seins et des poils pubiens, c'est-à-dire les femmes. Sorry, forget it, bye bye. Il fait mine de s'en aller, mais le sumo lui barre la route. Cette fois, il ne saurait plus. Il n'y comprend rien. Que cherche ce Français qui refuse tous ses trésors Frédéric ne le sait pas lui-même, mais il sait que ce qu'il trouve ne lui plaît pas. You want grass Opium, héroïne. Non, merci, dit Frédéric. L'extasie est ma drogue préférée, mais je n'en prends plus. C'est trop pénible quand ça s'arrête. Le bonhomme fait signe à la fillette de sortir. Celle-ci disparaît en reculant, en sussurant. Copcunca. Merci. Elle semble contente de sauvegarder son semi-pucelage pour encore quelques heures. Puis le gros pique sa crise. You say what you want? What you want I got? Il appuie alors sur un interrupteur et un volet coulissant laisse apparaître une rangée de filles presque nues, avachées dans une salle blafarde derrière un miroir sans teint. Frédéric a l'impression désagréable d'être un témoin chargé d'identifier un suspect dans la série New York Police Blues. On lui sert un rhum grand marnier, amaretto, jus d'ananas, grenadine, jus d'orange, devant ses filles, alignées, qu'il ne le voit pas, et se remaquillent dans la vitrine. Entre elles et lui se dresse un mur encore pire que celui de Berlin, le mur de l'argent. L'une des filles s'est enfoncée un stylo feutre dans le vagin, Accroupie, elle écrit avec son sexe sur une feuille de papier. Au bout de quelques minutes de cette gymnastique complexe, elle se relève et brandit la feuille où est écrit Welcome. Frédéric est heureux de constater que la chose écrite a encore un avenir. Une telle performance fera un tabac au salon de vivre. Il continue de passer les créatures en revue. Vautrée sur des coussins, elle s'ennuie ferme. Une fausse blonde fait boire de la bière à un bébé gibon perché sur son épaule. Ne risque-t-elle pas d'attraper froid avec cet air conditionné Il n'ose pas poser la question, en gros. Il risquerait de le foutre à la porte. Soudain, son attention est attirée par une défi au corps particulièrement souple, élancé et voluptueux. Son visage est cagoulé de latex. Il la pointe du doigt. Le sous exulte. ⁇ Je slève. Ah Good Good You stay here !⁇⁇ Five minutes ⁇ yes, I know ⁇ dit Frédéric. Frédéric va enfin savoir ce que ressentaient nos ancêtres esclavagistes. Cette superbe plante au visage masqué devra se plier à ses moindres caprices. Lorsque le gros et denté revient, après les habituelles 300 secondes, il est seul. Il prie Frédéric de le suivre et l'entraîne dans une salle de torture très bien équipée. Cheval d'arçon, croix de Saint-André, poulies, menottes et chaînes, cravaches, martinets, pinces et godes de toutes tailles suspendues au mur. Un véritable donjon de professionnels. L'esclave est enchaînée au mur par les poignets, les chevilles et la taille. Elle porte toujours sa cagoule. Après avoir empoché l'argent, le gros joint les paumes et sort avec moult courbettes. Par ma faute, se dit Frédéric, l'homme occidental va encore garder longtemps ici sa réputation d'infâme dominateur. Puis il décide de faire subir à cette jolie femme tout ce qui lui passera par la tête, afin d'en tirer le maximum de plaisir. L'expression ⁇ tirer un coup ⁇ doit venir de là. On se sert d'un corps pour en tirer le plus de jouissance possible, de même qu'on cherche à tirer le plus d'argent possible sur une carte de crédit volée. Ici, il y a une ellipse. L'ellipse est une figure de style qui permet aux auteurs paresseux de ne pas tout raconter en détail. Cet élégant voyage dans le temps risque parfois de laisser le lecteur sur sa faim. D'avance, nous le prions de nous en excuser. Après avoir donné à l'esclave une alternance de joie et de peine, comme disait Honoré Bostel, Frédéric est pris de curiosité. Il veut voir le visage de la beauté qu'il vient de caresser, de pénétrer, de malmener et de mordre quasiment partout. Il désipe alors quelques fermetures éclair, et lorsqu'il parvient à retirer la cagoule, reconnaît le visage radieux de Delphine qui lui demande. Dis donc, Fred, tu sais que tu viens de me mettre enceinte? Car dans toutes les fables, il y a une morale à la fin. La première nouvelle, Disney Reading. Jonathan descendait au ralenti les nombreuses marches du perron qui reliait la villa rococo à la plage, en faisant des efforts surhumains pour ne pas renverser l'olive de son martini rosso sur son costume quatre boutons en lin blanc cassé. La lune se reflétait dans ses mocassins patinés verts à bout carré, spécialement dessinés par Berluti pour Andy Warhol. Derrière lui, dans le patio. Jessica fredonnait faux, the look of love. Sonia cuvait son magnum de tétingé rosé, 1975, sous la véranda, et la jeune Ulrika tranchait une nouvelle fois les petites veines de son poignet gracile. Jonathan déambulait vers la mer en songeant avec tendresse à la partie qui s'achevait. Juste après les sirtaquis, la bataille de Parasol avait dégénéré. Et la BMW Z3 de Mario avait fini sa course dans la piscine. À trente ans, il savait encore s'amuser. Le temps n'avait guère de prix sur eux. L'argent de leurs parents servait à être dépensé, et le regard de l'amour était dans tes yeux. Le jour allait bientôt se lever, mais Jonathan serait couché avant. En fait, dès qu'il aurait trouvé un Tronxène, un Aspégicmil et un Oxyboldine. Au loin se découpaient les reliefs fluorescents du cap d'Antibes. Dans sa tête résonnaient les bossa nova perdus. How a sensitive de Jobin, dans sa version chantée par Sinatra. Le monde s'écroule de Julien Bert, Nothing to lose de Mancini interprété par Claudine Longer. Quelque chose flottait dans l'air de la Riviera, comme un soupir venu de nulle part temps avait rencontré quelqu'un ce soir, et les autres filles avaient compris dans ses yeux que cette rencontre n'était pas comme les autres. Soudain, il jeta son verre dans les flots et rebroussa chemin. Cette adorable personne qu'il venait d'embrasser, il fallait qu'il lui pose la question. Le moment était venu. On s'amuse, on s'amuse, mais vient un jour où la rigolade doit cesser parce qu'on a découvert un sentiment plus profond. Et quand vient ce jour, on ne peut que remercier le ciel et saisir sa chance. À présent, Jonathan gravissait quatre à quatre les marches de l'escalier, sans accorder un regard au statut du jardin. Il n'entendit même pas les larmes de ses ex, Jessica, Sonia et Ulrika. Ordre purement alphabétique. Quand il traversa le hall, versa Lotus Seven. Les pneus crissèrent sur le gravier blanc. L'autoradio murmura. This guy's in love with you. Fort à propos. Il n'avait plus que ce but en tête, retrouver sa rencontre, la rejoindre à son hôtel et lui poser cette satanée question qui allait changer leur vie. Il n'aurait jamais dû la laisser partir. Certaines personnes n'ont pas le droit de sortir de votre vie. Pas quand on vient de les séduire, le cœur battant. Pas quand on a dansé le slow sur Moon River d'Audrey Burne. Pas quand on a pris un coup de lune dans une piscine éclairée aux chandelles. Une jeune créature qui vous roule une pelle ne peut pas quitter une soirée sans au moins dire adieu. Quel coup de chance que Jonathan connaisse l'adresse de sa villégiature. Cela dit, hein, qui connaît pas l'adresse de l'hôtel du Cap, hein, qui En accélérant dans les virages. Jonathan rêvait d'un bel accident mortel, puis se ravisait, car il ne voulait pas mourir sans connaître sa réponse. C'était désormais John Warwick qui l'accompagnait. Welcome by, susurrait elle, comme pour adoucir son excitation. L'odeur des pins, le vent tiède, l'émotion pure dissipait son ivresse. Dans un instant il serait, il serait fixé. Il entrouverait la porte de sa chambre, le rouge aux joues, et lui demanderait. Et l'apparition le contemplerait, les yeux mi-clos, tout sourire, ce sourire qu'il avait tenu sur ses lèvres, sourire rouge cerise sur des lèvres pourtant démaquillées. Et elle lui dirait, et il saurait, et il serait heureux. Peu importe après qu'il fasse l'amour, ils avaient toute la vie devant eux. Il se gara dans le parking de l'hôtel du Cap, entre une vieille Bentley et une Mercedes-Esselka noire flambant neuve. Il descendit en dénouant sa cravate. Le matin était mauve. En chemin, il réveilla deux cigales planquées dans un palmier. Il se précipita à la réception. Réveilla aussi le concierge. Insista pour connaître le numéro de chambre. Mourut d'impatience. Ressuscita. Avala les escaliers. Frappa à la porte de la rencontre. Une voix étouffée répondit. Qui est-ce mon amour, c'est Jonathan, pardon de te réveiller. Tu ne m'as pas dit au revoir en partant. Il faut que je te pose une question, c'est tout, juste une question, c'est très important pour moi. Et après je repartirai, je te laisserai dormir, mon cœur. Je n'ai jamais été dans cet état, laisse-moi entrer juste un instant, je t'en supplie. Temps mort, battement de cœur amorti par la moquette épaisse, bruit de pas feutrés, la porte du bonheur s'entrouve. Le doux visage décoiffé de l'autre, la timidité, la crainte, qui paraît-il va souvent de pair avec les tremblements, et Jonathan finit par poser la question qui le taraudait depuis sa promenade sur la plage. Dis-moi, es-tu euh, es une fille ou un garçon La solitude a plusieurs. L'homme n'est peut-être pas fait pour rester seul, mais il l'est pourtant. Même marié, l'homme demeure seul et abandonné sur une planète qui fonce dans le vide intersidéral à la vitesse de 29,79 km par seconde. L'homme né court, se dépêche de vivre, lit des livres, va au cinéma, souffre, prend son petit déjeuner, meurt. Parfois, dans l'intervalle, il peut lui sembler qu'il n'est pas fait pour le célibat éternel. Il risque alors de tomber amoureux. C'est-à-dire de mentir à une jolie femme autant qu'à lui-même. Observons-le avec un œil attendri. Il cherche à séduire comme un député en pleine campagne électorale. Se doute-t-il que ses promesses ne seront pas tenues? Il peut tenter de se persuader qu'il est heureux. Il se mariera, se reproduira, prendra des photographies en couleur pour tenter d'immortaliser l'éphémère. Comme il est émouvant de le voir sourire sur les clichés, dans ses bras il tient un bébé tout rose, lequel ne sait pas encore qu'il finira seul lui aussi. Dans sa main il serre celle de son épouse. Est-ce pour l'empêcher de partir ou seulement pour se rassurer Le jour où l'homme découvre qu'il a été dupé, il lève les yeux au ciel et ses larmes dégoulinent face au soleil qui se situe à une distance de 152 millions de kilomètres de la Terre. Il rampe sur le sol, vomit son repas. Il est assez pitoyable. Nous vous prions de l'excuser pour cet épisode peu gratifiant. Puis il sort le soir, dès lors qu'il a enfin admis que tous les hommes sont condamnés à être célibataires. Certains mettent plus de temps que d'autres à l'accepter. Mais tel est leur destin naturel. Errer de bar en bar, de ville en ville, de femme en femme, regarder des cassettes vidéo, bouffer des bolinos, danser devant la glace, tenter de se faire passer pour quelqu'un d'autre, fabriquer des trucs comme des yaourts ou des parfums ou des voitures ou des romans. Tout ceci pour épater les dames. En vain, bien sûr, puisque les seules choses qui les épatent sont celles qui ne sont pas fabriquées. Les célibataires sont mauvais, car ils n'ont pas de femme pour leur dire de se laver. Souvent on reconnaît un célibataire à son haleine avinée. Il est mal rasé, et il manque un bouton à sa chemise qui pue. Le célibataire fait plus pitié qu'envie, sauf aux hommes mariés, qu'il imagine libre, alors qu'il n'est que désespéré. Dieu sait qu'il faut être désespéré pour manger un api mille le dimanche soir devant sa télé, surtout depuis qu'Anne Saint-Clair a été remplacée par Michel Rucker. L'homme marié a sans doute tort de jalouser le célibataire, mais il n'y peut rien, c'est plus fort que lui. Il rêve de les tomber toutes. Il s'imagine que le célibataire est couvert de femmes, qu'il a une belle vie d'aventurier avec week-end italien, caresses buccales, marivaudage compliqué, positions nouvelles, et de langoureux messages sur sa boîte vocale itinéris. Il ignore que les célibataires rentrent tous les soirs bredouille, sauf s'ils sont membres d'un boys band. Et encore, faut être à la mode, cela dure pas longtemps. La meilleure preuve que les célibataires sont affligeants, c'est que les femmes n'en veulent pas. Elles préfèrent draguer le mari de leur meilleur ami. Personnellement, je vis avec quelqu'un parce que je suis faible. J'ai pas le courage de rester seul, ni celui de me remarier. Il existe une sorte de flou artistique entre le célibat dépressif et le mariage ennuyeux. Baptisons-la bonheur. Le couple sert à protéger les lâches contre la vérité de ce monde qui est la mort, comme dit Céline dans Voyage au bout de la nuit, même éditeur. Mais l'amour est un mensonge qui a de bons côtés, me dis-je en mordillant l'oreille de Delphine, sous une lune suspendue à 384 000 kilomètres au-dessus de nos innocents.